Vous n'avez rien à craindre, monsieur Klingapouf. Vous ne serez pas frappé, ni menacé, ni molesté. Ah, c'est un scandale! Je veux qu'on me frappe, je veux qu'on me moleste! Et pourquoi ça? Parce que si vous me frappez, je vais crier, et pendant que je crierai, je ne parlerai pas! Mais justement, monsieur Klingapouf, je veux que vous parliez. Mais d'abord, comment avez-vous deviné que c'était moi? Comment avez-vous su qui j'étais? Admettons que je sois un grand policier ou qu'on vous ait dénoncé. Dénoncé? Oh, impossible! On m'avait promis... On vous avait promis quoi? Non. Frappez-moi! Battez-moi, sinon je vais tout dire. Absolument pas! Vous ne serez pas battu. Oh, si, pitié! N'y comptez pas! Brut, sauvage! Vous refusez de me frapper! Parfaitement! C'est honteux, je me plaindrai! C'est un scandale! Au secours! Chalala, nous disions donc... Rien. Mais si, que vous aviez été vendu. Pas impossible. Par qui? Monsieur Claquemuf, ça vous dit quelque chose? Ah, le salaud. Vous le connaissez? Pas du tout, mais il me le paiera. Assez plaisanté, Klingapouf. Vous refusez de parler? Mais je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas à vous de juger si c'est bien ou mal. J'ai juste fait mon métier. Quel est-il, votre métier? Je suis archiviste documentaliste expert en monuments historiques. En monuments historiques? Tiens. Et un jour, un monsieur est venu me voir, il s'appelait Monsieur Claquemuf. Oui, nous le connaissons. Ouais. Alors, il m'a posé une drôle de question. Laquelle? Qu'est-ce que vous me donnez? Vous appelez ça une drôle de question? Non, c'est moi qui vous demande qu'est-ce que vous me donnez si je vous réponds. On vous passera à tabac. Promis. Alors voilà, il m'a demandé ceci. Vous êtes bien monsieur Klingapouf? Oui. Archiviste documentaliste expert? Mm-hmm. En ce cas, vous allez m'établir une liste. Une liste? Une liste des principaux monuments de Paris et de France. C'est-à-dire? Classés par ordre de célébrité et d'intérêt touristique. Comment ça? Si vous étiez un pays neuf, entièrement désert, et que vous désiriez le meubler avec des monuments, quels sont ceux que vous choisiriez? Dans l'ordre. Ah, mais votre question ne tient pas debout. Je vous donnerai assez d'argent pour qu'elle tienne. Combien? 2 millions. Deux... Plus... 1 million pour le secret. Bon, d'accord. Intéressant ce qu'il n'y a pouf. Oui, mais alors dites-moi, qu'est-ce qu'il attend de nous, notre cher Socrate? Eh bien voilà, il n'a rien de précis contre le bonhomme, il est donc obligé de le relâcher. Bien entendu, il va le faire suivre, mais bien entendu, l'autre s'en doutera. Mais alors? Alors, il veut faire une double filature. Klingapouf sortira de la DDT à 5 heures précises, suivi par 2 inspecteurs. Oui. Les inspecteurs feront exprès de se laisser semer, et vous continuerez la filature du bonhomme qui ne se méfiera plus. Wait, quelle heure est-il? C'est approximativement 5 heures juste. Alors ça va être le moment. Oui. Oh, attention, le voilà qui sort. Le petit vieux, là? Tu crois que c'est lui? Mais oui, sûrement. Regarde, il y a Carcapoil, ouais, et Brossard-Bourg qui lui emboîtent le pas. Oui, alors allons-y, derrière eux. Hein? Allons-y, mais mine de rien, hein. Ouais. Laissons-les d'abord agir comme convenu. Hé, grouille, Brossard-Bourg. Voilà, j'arrive. C'est bien le petit vieux qui est devant nous qu'on prend en filature. Et oui, et ordre du patron, et en souplesse et avec discrétion. Compris. Faut surtout pas qu'il s'aperçoive qu'on le suit, hein. Et il s'en apercevra que s'il s'en rend compte. Allez, et on le suit. Attention! Il tourne à droite. Eh ben alors, tournons à gauche. Eh, bonne idée, comme ça il se méfiera moins. Et nous, on aura fait ce qu'on a pu. Là. Oui. Là, tu vois, Black, leur filature bidon est terminée. Alors, à nous de jouer. Oui, mais sérieusement, cette fois. Voyons, où est-il? Ben là, à 20 mètres. Oui. Il se retourne, tu le vois? Oui. Mais qu'est-ce qui pousse devant lui? Un soupir de soulagement. Ouais, ben c'est normal, il croit les avoir semés. Et nous, il nous connaît pas, c'est du tout cuit. Et à condition de ne pas le perdre de vue. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un taxi. Ah ben, y a-t-il en fier autant? Hip, hop. Vous êtes libre? Mais oui, monsieur, la liberté est le plus grand des biens, et personnellement... Bon, allez, ça va suivre le G7 qui démarre, là. Alors, vous dites le G7 qui... Allez, foncez, il a déjà 50 mètres d'avance. Allez, bon, bien d'accord. Oui. Vite! Dites-moi, messieurs, vous êtes peut-être des gangsters, n'est-ce pas? Mais oui. Allez, perdez pas le contact! Et vous allez sans doute tirer sur l'homme que nous poursuivons. Voyons. Oh, j'adore ça, messieurs. Je ne lis que la série noire, alors vous comprenez. Oui, attention, faux vert, là, il va passer en rouge, attention. Voilà, j'accélère. Ah, de justesse, ça y est.
Et en avant, ça va barder. Voilà, le taxi stop. Arrêtez-nous ici. Arrêtez-nous là, là, oui, ça va bien, oui, oui. Là. Oh, ben, oh. Oh, comment, monsieur, c'est déjà fini. Oui, maintenant, on va à pied. Oh, dommage, ça devenait passionnant. Et sans lui prendre un peu d'avance. Tiens, il allume une cigarette. Ça lui fera de l'avance à l'allumage. Il a l'air flâné à présent. Bon, bon, on peut retirer nos fourrures. Oh, oui, c'est vrai, oui. Où est-ce qu'on est ici? À Passy. Oui, Rue Renoir, oui. Attention, il se retourne. Non, ça va, il nous a pas repérés. Ah, ah, bifurque dans la rue de l'Annonciation. Traverse. S'engage. À la Légion étrangère? Non. Dans la rue du colonel Canetti. Il regarde à droite et à gauche. Il va entrer dans ce grand bâtiment. Oui. Là, au 26. Ça y est, il est entré. Allons-y. Qu'est-ce que c'est le 26? Voyons. Musée d'art futur. Tu connais? Non. Attends, attends. Il y a une autre inscription. Centre national de recherche architecturale. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.